Les premières mirabelles arrivent à grands pas. On va dire j'en ai déjà mangé une ou deux parce que bon, il y en a toujours qui sont en avance sur les petites copines. Mais c'est pas mal. Là, l'arbre est surchargé de fruits. Les branches ont tendance à plier, j'ai été obligé d'en soutenir parce que vraiment on a des quantités de fruits inimaginables cette année, alors que l'année dernière, si j'y récupérais 5 kilos dessus, c'est bien tout. Ouais. Alors, si les mirabelles, elles, ont bien donné, là, cette année, par contre, eh ben, les couetches, c'est le désert. Il n'y a quasiment rien. Alors que, justement, lui, l'année dernière, il avait superbement bien produit. Mais, il est normal qu'un fruitier ne donne pas toujours pareil. En général, un an sur deux. Bon, bah, cette année, les couetches, on mangera ceux de l'année dernière, qui sont au congélateur pour faire les tartes, les pots de confiture, et on se rabattra sur les mirabelles. Il va d'ailleurs falloir que je taille un peu beaucoup même mes noisetiers parce qu'ils sont en train d'envahir les fruitiers et ça va les gêner. Donc on va faire ce qu'il faut à l'automne. Voilà, j'en ai cueilli une pour voir. Ça fait quand même une belle bébête, la taille d'une balle de tennis, pas encore tout à fait assez mûre, mais bon, on va la laisser mûrir avant de la manger. Allez, bonne fin de journée les amis.